tube vision, avec venir, venance, j'adore. Tube vision, ça c'est après-midi, Polyrythmo. Bonsoir, bienvenue sur Tube vision. Bonsoir, Vélan. C'est quoi Polyrythmo? C'était quoi Polyrythmo? Polyrythmo, c'était un ensemble de jeunes collégiens qui se sont mis ensemble pour partager du moins ce qu'ils avaient en commun, la musique. Tous, à l'époque, on était au collège et on a voulu embrasser ce métier. Ce n'était pas encore une carrière parce que nous voulions faire comme les Américains, les Français, les Anglais, qui nous apportaient de la bonne musique. Et sur les bancs de collège, on avait déjà commencé par nous mettre en groupe. Et en 1968, on s'est retrouvés à la fin de l'orchestre qu'on appelait à l'époque Sonny Black Spank, qui était composé d'un certain nombre de musiciens de Polyrythmo, dont Mélomé Clément, Gustave Bento, Son Déon. Il est vraiment là, Gustave Bento. Oui, merci d'être sur Tube Vision. Son Déon, Amenoudi, Esquil Lointain. Le propriétaire de Sonny Black's Band s'appelait Crépy Folie Wallace. Il était marié à une Française, donc un jour il a décidé de rentrer. Et il est rentré, il a gardé son matériel, il est parti, donc l'orchestre a retrouvé son matériel. Et à la recherche de quelqu'un qui pourrait les prendre en charge, ils sont tombés sur Quintosu Kukui André, qui était le directeur et propriétaire de l'entreprise Polydisco. Qu'est-ce qu'il faisait à l'époque? Il vendait du matériel de sonorisation, des disques. Donc, il a dit, ça m'intéresse, je suis prêt à vous prendre du matériel, mais vous n'allez pour vous appeler Sonny Black's Band. Et il faudrait que vous vous appeliez Poly Orchestra. Il voulait avoir son label. Absolument, il voulait avoir son label. Alors, de discussion en discussion, Mme Clément lui a dit, Poly Orchestra, ça ne sonne pas bien. Et si c'était Polyrythmo, par exemple? Il a trouvé que c'était, ça sonnait bien, il a dit, ok, Polyrythmo. Et on a démarré en 1968. Et très tôt, dès 1969, il y avait un gros succès qui était là. C'était quoi? Betty Madjo. C'était dû à quoi? C'était les paroles? Non, c'était un hasard. Parce qu'en fait, Sonny Black's Band avait sorti un disque de 45 tours avec le titre Angelina. Un autre producteur a voulu reprendre cet Angelina. Ça lui tient à cœur, il dit, c'est Angelina que je veux. Quand une œuvre a du succès, il ne faut pas la transformer. On a repris exactement. Maintenant, il fallait un titre au verso du disque. À l'époque, il y avait face A, face B. Donc, Mélomé Clément a jeté ça là pour juste combler la face B. Et c'est ça qui a pris. C'était quoi? Un peu avant la capella, c'était quoi? Yiro nungwa nungweo, yirando gwewejro, yeje gudo tweo, yirando gwewejro. Ye namba sitoe, bohu vitoe le, ye si ole huwe, bonando gbewe dro, gbe ti ma dro, gbe rupo nyewe me, bogon Paris, bogon Japon, bogon Dakar, partout dans le monde entier, bogon Abidjan. Ah, c'est sacré. Ça voulait seulement signifier que il n'y a pas une autre vie qui se passe chez nous ici, à Cotonou, qui soit différente de celle qui se passe ailleurs sur un autre continent. Alors donc, sur une autre phase de l'album, Clément Mélomé a proposé Betty Madjo. Et ça a pris un succès mondial. 68. 68. Qu'est-ce que vous avez de particulier? Parce qu'on disait, Polyrythmo, c'était mythique. Allez, qu'est-ce qui vous a marqué? Moi, ce qui m'a marqué, ce qui a marqué Pierre, ce qui a marqué Gustave, peut ne pas être la même chose. Il y a les festivals, à l'époque. Nous avons très tôt commencé les tournées internationales. Dès 1969, on était au Niger. À Niamey. À Niamey. On a été amené par un grand coiffeur de Cotonou à l'époque. C'était Srano Coiffure. Et on a séjourné à Niamey pendant 2-3 semaines. Et c'est fini. Dès qu'on est revenu, nous-mêmes, nous prenions sur nous l'engagement de sortie. On louait une voiture, on mettait nos matériels et on allait à Lomé, quitte à Ouaga, quitte en Côte d'Ivoire et voilà. Parce que le succès était là, il fallait l'exploiter. Betty Madjo nous a ouvert les portes de l'univers. Bogon Dakar, Bogon Abidjan, Bogon Niger, ou à l'égoïste, ou figuer, faire le pire. Ton fouillard, toi et tes fouillards.
Merci d'être sur Tuvision, le groupe Polyrythmo. Vous êtes composé combien de personnes aujourd'hui? Nous sommes une dizaine de personnes, juste 10 personnes. Comment ça se passe au niveau de tournées, des festivals? Mais ça se passe très bien. Nous avons un manager, nous avons des tourneurs, nous avons des gens qui s'occupent de la logistique et des bookings, nous avons des tournées. On est là et tout se passe et puis on nous donne des informations. Et par rapport à ça, nous programmons notre sortie. Polyrythmo, merci d'être sur Tuvision. Les festivals, vous étiez où? Ah, on a fait le monde entier sauf l'Asie. Près de 40 États aux États-Unis. On a fait presque toute la France. On a fait l'Angleterre. On a fait beaucoup de villes en Angleterre. On a fait les deux Irlandes, l'Irlande du Nord, l'Irlande du... Et on a fait. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ces festivals? Parce qu'il y a des choses qui marquent. La ferveur des gens, leur amour de la musique, du polyrythme. Ils adoraient polyrythme. Et ça nous a émus. Ça a fait que nous sommes liés avec ce peuple-là par la musique. Ils nous appellent tous les jours, nous sommes obligés de repartir. Et la place du gouvernement dans tout ce que vous faites, la place de votre pays, le Bénin? Le Bénin, personnellement, pour le polyrythmo, rien. Mais je pense que c'est une question de développement culturel. Sinon pas cette vision de développement pour le polyrythmo, bon. Et tout ce que nous avons fait pour ce pays, pour, dans notre carrière, la visibilité qu'on a donnée à ce pays, ça ne nous a rien retourné de toutes les façons. On ne va pas demander. On ne va pas demander. Et l'État non plus ne fait rien. Voilà. Si il nous était permis d'approcher le pouvoir, demander quelque chose, ce serait une belle salle de spectacle. Raser la maison du peuple de Cotonou 2 et de Cotonou 5. Mettre de très belles salles de spectacle là. Pour que nous puissions avoir de l'espace pour nous exprimer. Nous, personnellement, nous ne voulons pas grand-chose. Mais on veut pour les générations à venir. Nous, on est finissants, mais pour la jeunesse, nous voudrions au moins laisser quelque chose. En tant que groupe mythique, quel est votre apport pour la musique béninoise, votre apport pour la jeunesse? Qu'est-ce que vous faites pour la musique béninoise? Les jeunes ne s'approchent pas des aînés. Hein. Ce sont eux qui ont les pantalons qui descendent sur les fesses, ce sont eux qui mettent les boucles d'oreilles. Et ils trouvent que les aînés ne sont pas à la mode. Ils ne les approchent pas, mais ils prennent nos chansons quand même. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on leur fasse s'ils ne viennent pas vers nous? Il y a eu des reprises quand même. Ils font des reprises de nos chansons. Au lieu de venir nous demander comment nous arrivons à composer comme ça, ils ne viennent pas. Bénin Passion, quels sont vos rapports, Bénin Passion? On a participé à Bénin Passion sur plusieurs volumes. Le 1, le 2, le 3. C'était les trois volumes qui étaient consacrés au Bénin. Nous étions, le polythème était sur les trois. Perspective et projet. Nous allons sortir un album au Bénin cette année. On va sortir un album en Europe. Cette année ou l'année prochaine, cela dépend de l'éditeur. Ça sera album Afrique, album Europe. Ça oui, album Afrique, album Europe. C'est pas les mêmes titres. Comme ça se fait dans les pays. Exactement. Développés. Il peut y avoir quelques titres de l'album de l'Europe ici, mais il ne doit pas avoir une chanson d'ici sur l'album de l'Europe. Voilà. Nous avons ce projet-là, nous devons sortir deux albums. On a fini 8 titres. On va mettre 4 dessus et sortir l'album cette année. Pour l'Europe, nous rentrons en studio en mai. Et nous rentrons en studio ici, à la Satel. La place de la religion, vous croyez en quoi? En Dieu.
Vous savez qu'il y a quelqu'un qui vous regarde, qui est en haut, qui vous regarde, qui vous protège lors de vos voyages? Si, vous savez que tout ce qu'il y a dans l'univers est fait par Dieu. Nous adorons Dieu, le même Dieu que tout le monde adore. Le vaudou pour vous, c'est quoi le vaudou? C'est mythique, c'est nous adorons le vaudou parce que c'est notre identité. Et ça s'arrache à l'extérieur. Nous avons été bercés à la source du vaudou. Et si tout ce qui existe est de la main de Dieu, je crois que le vaudou, c'est Dieu qui l'a créé. Lui, il est un prêtre vaudou. C'est un balai. Donc, nous sommes dedans, c'est notre chose, le vaudou. Et puis, ça nous apporte beaucoup quand on voyage. Parce qu'on nous pose des questions sur le vaudou. Parce que ça reste un mystère. Conseil pour la génération consciente à venir. Conseil. On ne leur demande pas de suivre nos pas, mais de faire ce qui peut rester à la postérité. Parce qu'une musique, il faut qu'elle reste. Et quand vous faites une musique qui meurt 3 mois, 6 mois après, ce n'est pas de la musique, c'est un courant musical. Nous souhaiterions que vous vous inspiriez de ce que vous-même vous vivez et que vous preniez exemple sur vos aînés. Parce que nous, on a pris sur nos aînés. Et c'est ainsi que la tradition prospère et se vénère. Il n'y a pas de génération spontanée de musiciens. Je crois que si vous voulez demeurer musicien, si vous voulez faire carrière, prenez exemple sur les aînés, sur le travail qu'ils ont fait. Parce qu'eux, ils n'ont pas eu la chance de faire les écoles de musique. Ils n'ont pas appris le solfège. C'est progressivement qu'ils se sont formés sur le tard. Et vous avez des écoles aujourd'hui. Apprenez à faire de la musique. Soyez professionnels, les enfants. Quel est le secret pour rester en groupe? Quel est le secret? Il y a un secret. L'esprit de groupe. S'aimer. Et aimer ce qu'on fait. Ça vous consolide, ça vous soude. Vous ne pouvez pas faire autre chose qui aille en dehors. Nous, on est restés ensemble depuis 1968. On ne s'est jamais battu. Ni pour l'argent, ni pour la femme. Il y avait une discipline de groupe que nous avons respectée, qui a été dictée par Mme Clément dès le départ. Et nous avons respecté cette discipline de groupe et nous sommes encore là. Voilà. La place de la famille dans vos tournées, dans votre carrière, la famille. C'est ce qui reste quand nous ne sommes plus là. La famille. Et la famille sait, quand on voyage, la famille sait que nous partons chercher de l'argent. Le nerf de la guerre. Qu'est-ce qu'on ne sait pas de vous? Ce qu'on ne sait pas de nous. Les gars, qu'est-ce qu'on ne sait pas de nous? Nous ne sommes pas secrets. Il n'y a pas grand-chose qu'on ne sache pas de nous. Hein. À part notre vie de famille, notre vie en famille, nos problèmes personnels, on ne les met pas sur les sites internet afin que tout le monde le sache. Ce que les gens ne savent pas de nous, ils ne peuvent pas le savoir de nous. Ça reste en nous. Pour les rythmes sur YouTube Vision, on vient de terminer un truc artistique. Vincent Réon, c'est ça? Ouais. Gustave Bento. Locopierre. Si nous avons des vœux à émettre, c'est des vœux de longévité pour cette émission parce qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est une émission qui est très suivie à l'extérieur parce que de là-bas on nous appelle. Et moi je me rappelle, quelqu'un a dit, mais on ne vous a pas encore vu sur cette émission. J'ai dit, mais nous sommes les aînés, nous ne devons pas prendre le pas sur les jeunes. Beaucoup de prospérité, merci. De longévité et d'endurance. Parce que c'est très très dur d'animer une émission comme ça, de créer une émission comme celle-là. C'est très dur, il faut de la persévérance et de l'endurance. Et je te sais très endurant. Il y a très longtemps on se connaît. Je sais que tu vas réussir. Et cette émission, tes émissions, je crois, seront sur de grandes chaînes international très bientôt. Merci beaucoup. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, merci. C'était le groupe Mythique d'Afrique du Bénin pour les rythmes. Merci d'être passé sur TuVision. Merci.